Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Je pense que vous connaissez tous le concept des favoris, que ce soit dans la beauté ou dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire mes indispensables favoris fitness. Alors ce sont les produits dont je ne peux pas me passer. C'est-à-dire que je pars en vacances ou en déplacement 2 jours, je les prends dans ma valise. Alors pour le produit numéro 1, ceux qui me suivent sur Snap vont de suite comprendre de quoi je parle. C'est tout simplement mon muesli protéiné. Alors c'est simple, je peux pas vivre sans ce truc-là, c'est absolument impossible. J'en mange tous les matins depuis des années. Ça fait des années que je mange ça tous les matins au petit-déj. Et écoute, Joseph Fabrichon, si tu as envie de me sponsoriser, de m'envoyer des caisses entières de muesli protéiné, je me ferai une joie d'en faire la publicité. Non, sérieusement, demain ils arrêtent la production, je suis pas dans la merde. Alors mon deuxième favori indispensable en fitness, c'est le thé vert. Donc moi je consomme du Fiti depuis 1 an, c'est une marque que j'ai découvert il y a 1 an, que j'ai adoré et avec laquelle j'ai collaboré par la suite. Donc je consomme ça, c'est à base de thé vert, mais il y a plein d'autres marques de thé détox, voire tout simplement du thé vert nature. En fait, c'est vraiment quelque chose que je bois toute la journée, j'en prends au petit déj, ça me réveille quand je suis un peu dans le flou, ça me réchauffe l'hiver, j'en prends après manger pour digérer, j'en prends le soir pour me relaxer. Enfin voilà, le thé vert c'est vraiment un truc que je consomme toute la journée et je pourrais pas vivre sans. Alors en troisièmement, un truc pareil qui me sauve la vie et que je prends tout le temps avec moi lorsque je suis en déplacement, c'est ce type de produit. Donc en fait c'est le genre substitut protéiné, vegan, en fait c'est censé remplacer la viande. C'est vrai que quand on mange ni viande ni poisson, pour avoir son quota de protéines par les végétaux, ben voilà, vous n'avez pas mangé 10 kg de lentilles tous les jours, donc ça vous demande un petit peu de préparation. Alors que ce genre de produit, vous avez qu'à l'ouvrir, vous prenez vos saucisses ou autre chose, hein, ça c'est un exemple, vous le mettez dans la poêle et c'est réglé. Et là par exemple il y a presque 24 grammes, on tourne à quasiment 25 grammes de protéines au 100 grammes. Et quand je suis en déplacement, je sais que je vais pas avoir de protéines ou quoi. Alors en quatrièmement, c'est un truc que je prends pas forcément avec moi parce que sinon on me prend pour une, voilà. C'est la salade verte. Mais alors ça c'est vraiment un indispensable pour moi. La salade verte j'en consomme quasiment tous les jours. En fait j'en mange beaucoup le soir, c'est pareil, c'est très pratique. Ça avec un substitut protéiné, c'est le top. Moi j'adore en plus la salade, je trouve que c'est très frais. Et le soir j'aime bien manger léger, donc du coup bah voilà. Donc là c'est une salade en sachet, c'est plus pratique. Mais c'est vrai que je préfère quand même largement la salade fraîche. Voilà, qu'on lave soi-même, etc. Cinquièmement, un autre produit qui a intégré ma routine depuis quelques mois et que j'embarque également avec moi dans ma valise, c'est ce produit-là. Donc c'est en fait la poudre protéinée de chez Women's Best. C'est à base de protéines végétales. Donc ils appellent ça le Slim Body Shake. C'est présenté comme un substitut de repas. Moi, vous savez, je ne substitue jamais mes repas. En revanche, ça fait une super collation. Il y a des glucides dedans. Mais voilà, moi qui fais mes séances de 6 à 8, ça me permet de tenir jusqu'à 9h le temps que je mange sans avoir la dalle pendant mon training. C'est bizarre de tourner mes favoris parce qu'en fait, ça fait vraiment des mois et des mois et des mois que j'avais pas tourné une vidéo favori. Mais voilà, c'est plutôt cool. Alors ensuite, autre favori, ça va être cette chose-là. C'est une sangle. Donc ça, c'est un truc que j'emmène à chaque fois systématiquement avec moi à la salle. C'est les sangles pour les chevilles. Alors celle-là, elle vient de Decathlon. Ça coûte genre 7 euros, ça coûte rien, mais dans les salles on n'en trouve pas toujours des super, et moi la mienne en tout cas elle est nulle. Donc voilà, c'est une simple sangle, hein, vous accrochez ça à la cheville et c'est le petit truc magique pour travailler ses fessiers à la poulie. Je suis assise sur mes pieds, en fait depuis tout à l'heure je commence à avoir super mal aux chevilles. Aïe aïe, j'arrive plus à bouger mes pieds. Ouh, je suis en train de perdre une cheville. Donc ça serait un peu con quand même. Septième favori, je pense que vous en doutez, c'est tout simplement le legging noir. Donc ça c'est un truc voilà indispensable dans ma garde-robe. Le legging noir, c'est au fitness ce qu'est la petite robe noire à une soirée. Voilà, vous êtes obligé d'avoir un legging noir taille haute, c'est la base. Donc les miens, j'en ai plusieurs, ils viennent tous de chez Nike. C'est en fait les seules taille haute qui me vont parce que les taille haute me baillent toujours de ça. Et là les Nike qui sont vraiment très très gainants au niveau de la taille et du coup ça ne me baille pas. Bon forcément comme on parle du legging noir, et ben on était obligé de parler des Nike. Et en particulier des Air Max blanches, donc c'est pour moi pareil un indispensable du fitness, c'est à dire que je les mets pas moi pour faire mon training, hein, les Air Max, mais voilà c'est vraiment l'indispensable de la fit girl pour moi. J'ai 50 000 paires de baskets différentes et quand j'ai besoin d'un basique c'est toujours là dessus que je vais, notamment avec le legging noir. Moi j'adore les Air Max blanches, voilà c'est un kiff. On me demande toujours comment je fais pour les avoir propres. Bon, en fait c'est simple, j'essaie tant bien que mal de pas me faire marcher dessus par les gens et je ne marche pas dans la boue avec, voilà tout simplement, hein, je fais attention quoi. Et enfin un dernier favori de la fit girl, c'est pour moi les sous-vêtements Calvin Klein. Donc c'est vrai que c'est la mode depuis quelques temps de ce type de brassière de chez eux, mais moi j'ai vraiment découvert la marque en fait au niveau des bas. Les sous-vêtements sont vraiment archi top. Moi j'en ai depuis à peu près 10 ans, j'achète quasiment que ça. En plus quand on fait beaucoup de sport, le tissu est vraiment super agréable et personnellement en tout cas moi ça m'évite les irritations et ce genre de choses. Voilà, c'est la minute glam. Moi je dors tout le temps avec ça la nuit, donc ça c'est la nouvelle brassière qui est encore mieux je trouve que
que la précédente. Bref, c'est quelque chose pareil à avoir obligatoirement dans sa garde-robe. Voilà les filles et les garçons, j'espère que ces favoris fitness vous auront plu et vous auront donné des idées. N'oubliez pas de vous abonner en barre d'infos pour recevoir toutes les notifications et on se retrouve vendredi et dimanche prochain pour de nouvelles vidéos fitness. Ciao ciao. En vérité, j'ai putain de mal à la cheville. Oh, j'ai le pied bloqué en fait. J'arrive plus à bouger ma cheville. Oh, aïe aïe aïe, j'ai mal.